sous la correction, mais elle devient terrible. Si Apoutou est allé voler qu'il l'a attrapé, il va venir m'asseoir ici pour faire une vidéo pour ça. Non, non. Mais c'est dans l'esprit du coupé décalé. Et l'argent qu'il avait était de l'argent sale. C'est une grosse faute. Mais les autorités, la justice, c'est une jeunesse qui n'est pas encore bien éduquée. Parlant du brassage culturel, toutes ces histoires des plateformes, des réseaux, avec du recul, c'est perturbant. Donc c'est petit à petit. Parce que la justice aussi évolue avec son temps. Aujourd'hui aussi, il y a les réseaux. Donc vous essayez maintenant de nous apprendre comment utiliser ces nouveaux supports. On a eu besoin de vous il y a 2 ans. En tout cas, moi, j'ai eu besoin des autorités. J'ai essayé de rassembler les créateurs de contenu qui sont blogueurs et influenceurs. J'ai des idées, mais j'ai moins de monde. J'ai voulu rassembler tout le monde pour faire des colloques, pour qu'on nous apprenne. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce qu'on fait des colloques, ça ne veut pas dire que tu allais à l'école, tu n'es pas allé à l'école, ça n'a rien à voir avec le niveau d'études. C'est un nouveau métier, c'est un nouveau corps de métier. Et j'ai voulu qu'on fasse des colloques de créateurs de contenu, blogueurs, influenceurs, humoristes, tout le monde, entre autres, tous ceux qui créent des contenus. Et à travers ces colloques-là, il va y avoir des spécialistes, même des lois. Il va y avoir des juges, des avocats, je parle de la partie de loi. Voilà. Pour nous expliquer, on est là comme des illettrés. Nous sommes tous des illettrés du digital. C'est une nouvelle écriture. C'est maintenant. Il y a des personnes qui ont bac plus 7, 8 qui ne connaissent pas les lois du digital, qui ne savent pas l'utiliser. Donc, c'est une nouvelle école, c'est une nouvelle écriture. Il ne faudrait pas que l'Afrique soit en arrière. C'est pour cette raison. J'ai des idées, mais s'il n'y a pas du monde, les idées ne peuvent pas aller loin. C'est pour cette raison que j'ai eu besoin de ceux qui ont du monde. On prend le monde, on prend vos mondes, on prend mes idées pour que tous on puisse avancer ensemble. Chère autorité, j'ai des idées, mais comme je n'ai pas de monde, peut-être que vous n'avez pas su. Je vais repartager le poste pour que vous puissiez voir que on vous a interpellé il y a 2 ans. Si on est accompagné, il va avoir moins d'erreurs. J'ai voulu qu'on nous aide à créer ces colloques-là. Oui, mettez des fonds, ça va nous éviter d'aller en prison. Aidez-nous à ne pas aller en prison. Nous sommes des illettrés. Toi qui me regardes, moi qui parle, nous sommes des illettrés du digital. Sinon, les prisons vont te remplir. On sait brancher la caméra, mais on ne sait pas ce qu'on ne doit pas faire, ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit. C'est à travers les différents colloques que vous pouvez nous sauver. Sinon, vous allez tous nous prendre. On ne sait pas, il y a des vidéos où
tu es en erreur, tu ne sais pas. Puis tu es en train de bailler, tu hors la loi, tu ne sais pas. Voici convocation. Voilà policier, voilà temps. Bah, on te ramasse, tu es en prison. Donnons-nous les moyens de ne pas aller en prison. Chère autorité, papa, maman, même si je suis peut-être celui que tu me regardes, je suis plus âgé que toi, étant donné que tu es de la justice, tu es le père, tu es la mère, puisque c'est toi qui dois éduquer ton peuple. Excusez-moi, quand je dis c'est toi, c'est vous. Vous voyez encore, c'est une erreur. J'ai dit autorité, je n'ai pas le droit de tutoyer. C'est à travers les colloques qu'on va apprendre à faire des vidéos propres. Comment communiquer? On sait brancher les caméras, mais on ne sait pas communiquer. On sait brancher les caméras, mais on ne sait pas communiquer. Nous tous, nous avons fait des erreurs. À l'école, tu allais à l'école, tu n'es pas à l'école. Je suis web designer, mais j'ai fait des erreurs quand même. Vous comprenez que ça n'a rien à voir avec l'école classique. Je suis web designer, concepteur d'interface web. Je crée des sites internet. Mais j'ai déjà fait des vidéos où moi-même, j'ai dit, hein? On doit nous sensibiliser. Il doit même avoir des psychologues. Parce que par un moment là, ça peut te faire disjoncter. Il peut aussi avoir des addictions. C'est aussi votre devoir de nous protéger. Chaque pays d'Afrique. Protéger les créateurs de contenu que nous sommes. Financer les colloques. On va y aller. Une seule personne ne peut pas dire non, je fais les colloques, je fais. Non. On a besoin. Si nos pays peuvent nous prendre pour nous juger, nos pays peuvent financer à ce qu'on soit instruit dans le digital. Sauvez-nous. Sauvez-nous. Et c'est cette erreur qu'a pour toi fait. Parce qu'il est très, il est. Il est très, je suis. Les fautes, on les commet. Faut pas mettre la vidéo de tel. Je vais casser papa. Je vais casser papa. Venez, hein. Et quand tu, les gens se connectent, écras, vous montre. Voilà ici. Voilà l'adresse de celui-là. Voilà l'adresse. On a tous fait ces erreurs. Qui nous dit que c'est bien, ce n'est pas bien. C'est le jour où il y a la convocation. Dit, ah bon, non, ce n'était pas bien. Sauvez-nous. Sauvez-nous. Nous sommes vos enfants. Nous sommes en erreur, certes. On vous demande pardon. S'il y avait eu des colloques, qu'on nous avait expliqué tout ça, Apoutou n'allait pas le faire. Et de deux, s'il allait jusqu'à où il y a Fanico là, où il y a les Fanico là, c'est-à-dire que, étant en Côte d'Ivoire, berceau du coupé décalé, du broutage, on n'a jamais pensé où on a banalisé la faute grave que c'est. Ah oui. Parce que tu chantes et puis on vient, puis on donne l'argent là comme ça. On n'a jamais demandé la provenance. Plus tu jettes l'argent sur quelqu'un, plus on applaudit. Ça n'a jamais. Vous allez me dire qu'il faut que ça commence. Ça a commencé. Aïe, Yaki, on a compris. Papa, maman, justice.
Je vous demande pardon. L'enfant de Blaise Brigitte, regardez. Elle-même là. Oh, je lui ai déjà dit deux ou trois mots à travers mes vidéos. Elle-même, elle sait. Peut-être même qu'elle me boude même pour ça. Et c'était la vérité. Sur la mendicité d'Apoutou, là, j'avais déjà fait des vidéos. Je lui ai dit. Mais c'est fait. Même moi-même, je ne suis pas mieux. Conséquence qui conseille, ça a conseillé. Mais elle fait de la peine. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Son fils, ça n'est pas voleur. En tout cas, pour ce qu'on voit. Il a mendié jusqu'à mendicité qu'on a condamné là. C'est ça qui a envoyé problème. Mais ça a envoyé problème. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est quand tu es en train de faire couper, à décaler, décaler, couper, couper, à décaler. Décaler, couper, que les gens applaudissent. On dit, oh, tu es fort, oh, tu es fort. Donc, c'est la société même ivoirienne qui entend et qui est un peu souffrant là-dessus. C'est petit à petit qu'on va comprendre. On n'a jamais pensé que broutage là, c'est une faute. Même si on sait qu'on attrape un comme ça. Mais je veux parler de l'esprit général. Pour celui qui a volé deux baguettes, même on le traite de voleur. Dit, ouh, c'est celui qui a volé le pain. Hein? Ouh, c'est un voleur. Mais tu vas venir garer une Mercedes. On ne voit pas ton travail, mais on va te dire tu es l'homme. C'est ça notre mentalité africaine, surtout de la Côte d'Ivoire. On ne va pas valoriser celui qui a le petit vélo, qui a fait ses études jusqu'en... Et puis il allait travailler honnêtement, puis il a pu acheter le vélo. On ne te regarde pas. C'est parce qu'on n'avait pas l'habitude de poser des questions. Même si vous, la justice, c'était votre travail, vous faites ça, voilà, vous avez l'habitude d'aller chercher, fouiller, puis attraper. Vous, c'est votre corps de métier. Non, vous le savez. Mais je parle du peuple, nous, zouan, 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 qui marchons zouan, 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 dans la rue. Bon, on ne sait pas. Et puis on va au marché. Après, on est, il a acheté combien de bouteilles de champagne? Depuis quand on pose la question? C'est dans ça là qu'on est. Bien que tu aies un problème. C'est cette éducation générale mauvaise où nous-mêmes nous sommes aussi là. C'est ce qui a tué. C'est ce qui a créé les problèmes à Apoutou. Celui n'est pas voleur. Apoutou, pour ce que nous on voit, il n'est même pas brouteur. Si Apoutou était brouteur là, il va pas aller mendier. Il y a longtemps, il a acheté dernier Mercedes là. Et puis, il a la banque. Quand il va retirer les sacs d'argent là, puis il se filme. Oh, c'est comme ça, ce qu'il allait faire. Mais il est obligé d'aller chez les enfants. Les tout petits, petits. Le voilà même, il criait. Yérim Bakayoko, tu es mon oncle. Un petit frère qui devient son oncle, c'est toujours brutage. Apoutou n'est pas voleur. Apoutou, c'est la mendicité là. Qui a créé problème à Apoutou. Apoutou n'est pas un voleur. Apoutou, soit il vole mal. Parce que voleur qui va mendier, voleur ne mendie pas, c'est chez lui qu'on vient mendier. Apoutou n'est pas un voleur. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est un mendiant. C'est mon petit frère. Eh, Apoutou, j'ai tiré ses oreilles ici. Il tirait ses oreilles ici pour dire « Apoutou, arrête, abracassa. Hey. » Il n'est pas voleur. Il n'est pas voleur. C'est la mendicité là. Ça là, c'est ça seulement là. Je vais l'attacher dessus. Pardonnez, faites-le sortir, on va se moquer de lui un peu. Faites-le sortir, on va se moquer de lui. Oh, faites-le sortir. Faites-le sortir, on va se moquer de lui. On va l'appeler le macanier. Faites-le sortir. Il n'est pas voleur. La leçon est rentrée. Faites-le sortir. On se moquait de lui. On va se moquer. Ça là seulement là. Moi, mais il apprête mes vidéos. Bonsoir, Rémi. Faites-le sortir. Parce que
vidéo de mendicité là, KF, il a dit matin, midi, soir. Matin, midi, soir, il fait vidéo. Il fait vidéo, il me moque de lui, oh, je me moque de lui. Faites-le sortir, s'il vous plaît. Il ne sait pas voler. Il ne sait pas voler. Il ne sait pas. Quelqu'un qui sait voler ne peut pas mendier. Il ne sait pas voler. Même mendicité, elle n'est pas allée faire ça doucement. Le voilà, elle est venue montrer. Waouh, waouh. Celui-là, il peut voler où? Waouh, waouh, regardez. C'est dans la mendicité là. Paraît-il qu'il y a des garages là. Tout ce qu'on a vu, on dit, il y a quelqu'un qui a vu un garage, puis on l'a attrapé. C'est tout ça là, mais s'en va même mendier voiture. Il allait, on dit, tu sais même pas d'où la voiture vient. Lui seulement, il faut qu'on lui donne. Il faut qu'on lui donne. Il faut qu'on lui donne. C'est Apoutou est un mendiant. À l'Akadiama, à l'Akadiama, à l'Akadiama. Garage, on dit que là-bas, là, c'est blanchisserie, c'est garage famico. Apoutou, c'est mendicité, là même, l'a rendu aveugle. On dit garage famico. Apoutou dit, famico, quel famico, quel famico. Il est parti glisser dans le savon de famico, là, vous le voici dans linge sale. Voilà, voici dans linge sale. Apoutou en train de traîner dans linge sale. C'est dans linge sale là qu'il a pris les draps de linge sale de Famico là. Le voilà avec sac. Venez, ah, Famico, 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 Famico. Apoutou a un problème. Je mets ça dans l'amusement, mais ça fait pas rire. C'est pour détendre un peu. Pour vous dire que, au fait, inconscient, bêtement, il allait se mettre dans des problèmes. Regardez l'âge des enfants là. Il peut regarder son âge. Mendicité fait que Apoutou va se promener avec un nouveau-né. À mendicité va faire que Apoutou va se promener avec un nouveau-né. Prions pour lui. La justice. Pardonnez. On vous demande pardon. Ceux qui peuvent faire les vidéos, faites les vidéos s'il vous plaît pour Apoutou. Apoutou n'est pas un voleur. Attachez-le sur la mendicité, opportunisme, n'est pas un voleur. Apoutou n'est pas un voleur. Il est venu à Paris ici. En train de travailler un peu. Facilité de couper, décaler là. Assis et puis aller mendier. Je ne sais pas qui t'a dit, même Apoutou, que mendicité là même c'était facile. Tu allais te rabaisser comme ça devant tes camarades garçons, devant l'être humain. Te rabaisser comme ça, c'est pas facile. Apoutou, il a ses enfants. La justice. Et on demande pardon pour Apoutou. Il a brandi l'argent sale. Mais c'est parce que dans notre culture africaine, on ne demande pas. Dans le temps, on ne demandait pas. Parce que nous sommes des griots. Vous voyez même dans les mariages. Et puis on donne l'argent. On ne demande pas d'où ça vient. Puis on met. On te lave avec l'argent. Chez les bébés, même quand tu es comme ça, tu danses comme ça. Et puis on jette l'argent, on jette l'argent. On n'avait pas l'habitude de demander pour dire que l'argent là-même, ça vient d'où. Il y a beaucoup qui ont été lavés avec du Famico. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc maintenant, vous allez nous apprendre. Financer les colloques pour nous sensibiliser aussi. Ah, beaucoup ont été lavés. Pardonnez. Pardonnez. Je vais vous laisser parce qu'il est tard ici, il est 23h. Je reviendrai pour une autre vidéo pour toujours demander pardon pour Apoutou. Merci. Je vous remercie. Ceux qui ont fait les vidéos, je vous remercie d'avance. En commentaire, ceux qui ont regardé en replay, partagez et demandez pardon aux autorités pour Apoutou. Pour sa maman, pour ses amis, pour ses enfants et puis pour les femmes qui ont et qui partagent sa vie. Je vous demande pardon. Merci beaucoup. Ceux qui étaient sur le live, je vous remercie. Et
Je vais refaire encore une autre vidéo. Comme là, il se fait tard, je ferai une autre vidéo, peut-être dimanche. Voilà, dimanche ou lundi. Merci, mon Aristo. Merci, oh, y a Miracle qui est là. Merci, Remigus. Merci, Labaro. Merci beaucoup. Ah, merci. Demandez pardon pour Apoutou, s'il vous plaît. Voilà. Taguez les créateurs de contenu. Merci, Henriette. Merci, Papy Idriss. Merci. Demandez pardon pour Apoutou. Voilà. Et puis, j'ai essayé de détendre un peu pour les petites comédies que je jouais. Ne prenez pas ça au premier degré. Voilà, voilà, c'était pour juste taquiner, comme Abdou même lui-même, il fait beaucoup la comédie aussi dans ses vidéos. Et qu'on revient façon plus sérieuse, on a vraiment de la peine pour Abdou. Donc faites les vidéos, s'il vous plaît. Soyez nombreux à faire les vidéos, à demander pardon pour Abdou. Abdou n'est pas un voleur. Abdou n'est pas un voleur. Mais comme moi, on n'est pas éduqué pour pouvoir gérer. Le digital, c'est petit à petit. C'est une nouvelle école, c'est une nouvelle écriture. Donc, on est illettré pour l'instant. On compte sur vous pour pouvoir nous former et être meilleurs demain. On compte sur vous. Financer les colloques pour qu'on puisse être formé. Mais bien avant, s'il vous plaît, libérez Apoutou. C'est le plus important actuellement. Sinon, ce n'est pas les couleurs pour voilà. Les couleurs, ça sera plus tard, l'année prochaine, dans quelques années. Mais pour l'instant, le plus important, c'est la libération d'Apoutou. Merci. Franchement, vieux, il faut revenir. Je ne dis pas de quitter la France avec tout ce que tu as fait là-bas. Mais au moins, il faut te dire que ah, j'ai vraiment deux pieds, un pied à Abidjan, un pied en Bain. Il faut revenir en Côte d'Ivoire. Voilà, reviens prendre ta place, mon vieux. Reviens, s'il te plaît. Non, mais sa place est toujours là. C'est un cri de cœur, il faut revenir, mon vieux. Ouais, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci. On est ensemble, mon vieux, on est ensemble. Et toi, du bonheur. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Madame Sly et le grand frère. Voilà, on est content de vous retrouver. Moi, j'ai deux ou trois petites questions et des suggestions aussi à vous proposer. La première est la suivante, c'est-à-dire, à l'époque, quand on parlait du rap, c'était le rap urbain. Ce que vous aviez fait, c'est aujourd'hui qui est devenu le rap ivoire. Vous voyez, pourquoi ne pas poser avec votre fils, qui est Didi B, un remix? Je suis sûr que ça va donner quelque chose. Non, mais moi, c'est-à-dire que nous tous... Tu vois, moi, cette nouvelle génération-là, moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font, tu vois. Parce que moi, je me sens concerné même par ce qu'ils font. Tu vois ce que je veux dire? Parce que nous, dans notre temps, notre génération, ils n'avaient pas compris ce qu'on voulait passer comme message là où on voulait aller. Et cette nouvelle génération-là, c'est eux qui ont tout compris. C'est eux qui ont tout compris. Ça veut dire que notre génération, eux, ils avaient voulu copier les Américains, les Français, et ceci, cela. Nous, on était dans notre réalité. Nous, on vient de la rue. On est ivoirien. En langue de chez nous. Ok. Mais ça ne fait pas de nous retrouver sur des scènes internes. Hey, nous, on a rappelé dans le monde. Il y avait M. Soula, il y avait tous ces gars. Mais nous, on venait avec notre truc. On n'était même pas complexés. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ok. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. C'est ce que j'appelais le rap ivoire. Même vous aviez aussi votre petit frère, votre fiston qui est de Bordeaux, qui a une voix qui passe partout, qui est Miss Premier, qui a aussi qui a une très 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 belle voix qui passe partout. C'est mais quelque moi, chose. Moi, j'aime Bordeaux, je connais Miss, Didi B, je connais pas bien, on ne s'est pas encore croisé.